Chez nos amis filochards, et y'a pas de problème, faut regarder la télé. La belle merci, on part tous les grands cris. Le père, la mère, le fils, pourtant saint l'esprit, nous balance en plein visage tout le restant du fromage en nous traitant de barbares. C'est tout de même malheureux qu'on puisse causer tranquillement quand la télé marche et les filochards. Dis donc, où avez-vous connu Filochard ? À Brest, pendant son service militaire. T'es dans la marine ? Non, dans les chasseurs alpins. Un chasseur alpin, c'est pas à Brest, à Chamonix. Oui, mais à Brest, il attendait le bateau. Pour aller où ? À Bordeaux. À Bordeaux, il n'y a pas de chasseur alpin, c'est à Chamonix. Oui, mais à Bordeaux, il y a un train direct pour Chamonix. Il n'y a jamais eu de train direct Bordeaux-Chamonix. Il n'y a jamais eu de train direct Bordeaux-Chamonix. Il n'y a jamais eu de train direct Bordeaux-Chamonix. Alors, t'es pas lui, alors. C'est possible, oui. Et vous, l'avez-vous connu, Filochard ? Dans les mers du Sud. Ah ? Il était pêcheur d'éponges. Il a fait ça longtemps ? Juste une plongée. Et après ? Après, on l'a ranimé. Ah bon ? Il est revenu en France. Non, non, il est parti en Turquie ouvrir une boulangerie. Pourquoi ouvrir une boulangerie en Turquie ? Parce qu'elle était fermée. Ah bah oui, forcément. Oui, c'est d'ailleurs là-bas qu'il a connu sa première femme. Ah, sa femme est turque ? Non, boulangère. Ah oui, c'est vrai. Quelle bonne pâte. Oh, et lui qui l'appelait sans cesse mamie. Oui, tu es mignon, tu es mignon. Mais dites donc, où a-t-il connu sa seconde femme ? Eh bien, en épousant la première. Comment ça ? Si, parce que sa deuxième femme est la fille de sa première femme. Alors en somme, il a épousé sa belle-fille et sa femme est devenue sa belle-mère. Voilà, c'est ça. Sa belle-mère avait eu sa fille avec son premier mari. Oui, celui qui est homme grenouille. Ah, vous l'avez connu ? Non, mais rien qu'à voir la fille. Ah oui. Elle a de beaux yeux. Un peu grand. Un peu grand. On dirait un berlier. Je roule pour vous. Elle est quand même plus jolie que son mari. Ah bah faut dire que le mari, il a les dents d'un clavier de piano. Mais c'est vraiment le clavier de piano. Le clavier, alors. Sans les blanches. Et le fils ? C'était le fils. Okay. Le petit qui était assis sur la pile de bottin. C'était le fils, ça ? C'était le fils. Je croyais que c'était un presse-papier. Oh, non, 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 c'est un enfant. C'est un enfant. Ils s'en servent comme presse-papier, mais c'est un gosse. Oh, c'est un... Enfin, on a fait un repas gastronomique. Ce repas et l'apéritif. À l'apéritif, j'ai la recette. Vous avez la recette ? Mélangez un quart de cognac, un quart de tétrachlorure de benzène, un quart de jus de tomate, un quart de limonade et un quart de brie. Ça fait 5 quarts. Mais ça se boit dans des grands verres. Et alors ensuite, nous sommes passés à table. Mais tard que moi, je suis passé sous la table. Vous aviez trop bu ? Oh, à peine, mais il manquait un pied à ma chaise. Et alors, moi, il a manqué deux, je suis pas tombé. Vous n'êtes pas tombé ? Parce que je voyais double. Bah, je ne vois pas le rapport. Bah, c'est très simple, une chaise à 4 pieds. Oui. Quand il manquait deux, il en restait 2. Oui. Mais comme je voyais double, ça faisait 4. Oui, mais moi aussi, je voyais double et pourtant, je suis tombé. Parce que vous restez que 7 pieds. Non, je comprends rien du tout. Je recommence. Une chaise à 4 pieds. Oui. Quand on voit double, ça fait 8. Oui. Moi, un pied qui manque reste 7. Pourquoi le pied qui manque, on ne compte pas ? Ah, bah non ! Bah pourquoi ? Ah bah, un pied qui manque, quand on voit double, ça fait 2 pieds qui manquent. Et alors ? Alors, 2 pieds qui manquent plus 7 pieds qui restent, ça fait 9 pieds. Et j'avais une chaise à 9 pieds, vous ? Non, jamais. Bon. Alors, ensuite, on vous a servi la soupe aux biscottes. Mais non, c'était pas des biscottes, c'était des Spontex. Eh bien, c'était bien fraîche. Bien oui. Eh bien, moi, de la soupe, j'en ai repris. Non. Si, sur mon costume. Ah. Vous avez pu le détacher ? Oui, avec l'apéritif. Ah. Et résultat, plus de taches. Non, un grand trou. Puis nous avons eu le roast beef. Ce roast beef d'une tendreté. De la bouillie. C'est bien simple, je l'ai mangé à la petite cuillère. Oui, moi, j'ai mis l'envers, je l'ai fini avec une paille. Et les petits pois ? C'était du gui. C'était ferme. Ça porte bonheur. Alors, on ne nous a pas servi de fromage. Non, il est venu tout seul. Et nous avons terminé par la crème renversée. Qu'on a mangée par terre. Et c'est dans cette joyeuse ambiance que cette soirée se poursuit. On ne dit mot, même on a l'air réjoui. La belle-mère épuisée ronfle comme un diesel. Le nez piqué dans sa crème au caramel. Le père, la mère, les yeux en côte de sel suivent l'épisode. Un seul résiste, c'est le moutard. C'est tout de même malheureux qu'on puisse causer tranquillement quand la télé marche et les filochards.